Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette quatrième conférence de notre cycle Histoire et culture de l'aménagement, intitulée L'intranquillité des territoires, crise, résilience, basculement. C'est donc un cycle qui est proposé par l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, par l'Institut Paris Région et par le comité d'histoire du ministère. Alors, cette quatrième conférence porte aujourd'hui sur les questions énergétiques et s'intitule Énergie et choix stratégiques. Et nous sommes ensemble pour cette conférence pendant 2 heures jusqu'à midi. Alors, je suis Brigitte Thibault, je vais co-animer cette conférence avec Marc Desportes, à qui je passe tout de suite la parole. Marc, à toi. Merci Brigitte. Donc le thème d'aujourd'hui est la question de l'aménagement et de l'énergie. Les villes sont des lieux majeurs pour la question énergétique en raison tout d'abord par les consommations qui y sont faites, consommations liées à l'habitat, au transport, aux équipements, et ensuite en raison des enjeux environnementaux et des questions de pollution que l'on peut y subir. Donc l'aménagement et l'énergie, l'aménagement en regard des politiques énergétiques, c'est là un sujet crucial dans la question de la transition énergétique. Mais c'est un sujet qui est difficile à cerner. En effet, si certains secteurs sont bien identifiés, l'aménagement en tant que tel est plus difficile à appréhender. Je vais prendre un exemple, la question des bâtiments, par exemple. On sait que les bâtiments consomme environ 44% de l'énergie consommée en France. Et en regard de cet enjeu sectoriel, des politiques sectorielles ont été mises en place et sont efficaces. Mais l'aménagement est plus qu'une addition de secteurs et plus qu'une addition de politiques sectorielles. C'est nécessairement une synthèse, une appréhension plus complexe de l'ensemble de ces secteurs. Ainsi, par exemple, pour les écoquartiers, afin de mettre en place des politiques d'aménagement, de développement durable en matière d'aménagement, il n'y a pas moins de 20 engagements qui sont pris par les aménageurs. Donc, on voit bien que la question de l'aménagement est une question d'appréhension synthétique, globale, pluridisciplinaire, ce qui change des approches sectorielles qui peuvent être mises en place avec une grande efficacité, hein. Ce n'est pas pour nier l'efficacité des politiques sectorielles, bien au contraire, c'est pour insister sur la dimension plurielle et complexe de l'aménagement. C'est donc le thème de notre séance d'aujourd'hui, avec l'idée de cerner comment appréhender la question énergétique à travers les opérations d'aménagement. Voilà, très brièvement résumé, la façon dont nous avons abordé et construit la séance d'aujourd'hui. Cette complexité, ou du moins pour en quelque sorte donner des clés de lecture et vous permettre de repartir avec quelques idées claires sur ce sujet, donc vaste, complexe et qui est aussi évidemment au cœur de notre actualité. On a fait le choix, et c'est d'ailleurs un choix que l'on retrouve dans l'ensemble de nos conférences, on a fait le choix de croiser 3 points de vue. Ces 3 points de vue reflètent la diversité des points de vue des organisateurs de ce séminaire. Le premier point de vue, c'est le point de vue de l'historien, et c'est un fil rouge dans nos séminaires. Et donc là, aujourd'hui, on aura une intervention historique, celle d'Alain Beltran du CNRS, qui va aborder la question de l'aménagement du territoire et de l'énergie. Ensuite, deuxième point de vue, celui de la recherche, qui sera aujourd'hui illustré par l'intervention de Margot Pellegrino de l'Université Gustave Eiffel Laburba, qui va nous parler d'une thématique, d'une question, d'un enjeu important d'actualité, qui est celui de l'autonomie énergétique comme processus en œuvre.
et elle décortiquera, elle analysera et elle nous donnera des exemples de ce que c'est que cette autonomie énergétique. Et puis, troisième point de vue, celui de l'expertise, celui de l'étude qui est traditionnellement représenté par l'Institut Paris Région. Et là, en l'occurrence, nous aurons l'intervention de Nargis Mimouni de l'AREC qui va nous parler des questions d'appropriation citoyenne dans le cadre des enjeux de transition énergétique. Voilà donc trois interventions. La matinée sera structurée donc en trois temps. Chaque intervenant va prendre une vingtaine de minutes pour exposer son point de vue. Nous aurons ensuite 5-10 minutes de questions-réponses. Et puis, en fin de matinée, nous prendrons le temps d'une petite table ronde avec des questions à l'ensemble de nos intervenants. Alors, on est en mode webinaire, mais néanmoins, vous avez la possibilité d'intervenir via l'onglet, le petit picto que vous avez, je suppose, en tout cas pour nous, il est à droite de l'écran, qui s'appelle questions-réponses, question and answer. Et donc, vous êtes invités, nous vous invitons à poser vos questions. Et on y répondra, en tout cas à certaines, dans la mesure du possible, n'hésitez pas. Et je précise que tous les PowerPoints seront, avec la vidéocaptation de cette conférence, seront sur le site de l'Institut 48 heures après la conférence. Voilà, sans plus tarder, je vous propose de démarrer. Marc, pour présenter notre premier intervenant. Historien, directeur de recherche émérite au CNRS. Alain Beltran, dès votre thèse, vous vous êtes intéressé à l'histoire industrielle et plus particulièrement à l'histoire de l'énergie. On vous doit ainsi une histoire d'EDF, mais aussi une histoire de Gaz de France et enfin une histoire d'Elf Aquitaine parmi tous vos travaux. Parmi vos publications, on note de nombreux ouvrages que vous avez écrits ou co-écrits, et notamment « Histoire de l'EDF, comment se sont prises les décisions de 1946 à nos jours », publié en 1984, « Une histoire de Gaz de France, le noir et le bleu, 40 ans d'histoire de Gaz de France », publié en 1992, et plus récemment, pour montrer l'étendue de vos intérêts, « Une histoire de l'INRIA, l'Institut National de recherche en sciences et en technologie du numérique que vous avez publié en 2007. Voilà, sans plus tarder, je vous donne la parole. Je vous passe la parole. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour leur invitation. Vous m'entendez là, il n'y a pas de problème ? On vous entend bien. D'accord, oui, parce que je n'ai plus d'image. Donc, en moins de 20 minutes, je vais être obligé d'aller vite et parfois de friser la caricature. C'est pour cela aussi que j'ai restreint le champ chronologique uniquement à la période 1945 à nos jours. Et encore, je n'irai pas jusqu'à hier. Le centre, sans doute, de mon exposé sera les années 60 et 70, et comme échelon, je prendrai souvent le territoire national, au pire les régions, avec aussi des choix, je parlerai assez peu du charbon ou des économies d'énergie qui sont aussi une forme d'énergie, mais ça je pense qu'on aura peut-être le temps d'en parler lors des différents exposés. Alors, est-ce que je pourrais avoir la première diapo, s'il vous plaît ? Oui. Alors, je partage mon écran. En fait, ça serait la deuxième, ça sera aussi rapide. D'accord. Allez, allons-y. Est-ce que c'est celle-ci ? C'est parfait. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Alors, d'abord, pour faire très simple, l'histoire de l'énergie en France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire d'une très forte croissance de la consommation. Là, je pense que vous allez trop vite. Voilà. Pardon. Voilà, on ne bouge plus. Donc, c'est une histoire de forte consommation qui était d'abord en rattrapage jusqu'aux années 70.
un ralentissement et aujourd'hui une stabilisation et même une décrue légère. Il faut bien penser qu'au sortir de la guerre, la France devait rattraper la crise des années 30 et l'occupation. Donc il a fallu produire beaucoup et distribuer. Et on pensait même que production d'énergie, production, consommation d'énergie et croissance du PNB étaient absolument liées. Ceci a eu pour conséquence une dépendance énergétique qui est allée croissant, puisque juste avant le premier choc pétrolier, la France était dépendante pour les trois quarts d'importation d'énergie et que par la suite, on est à peu près en dessous de 50%, mais bon, il y a toujours 50% de notre énergie qui est importée. Vous avez parlé d'études sectorielles, il y a des gagnants, le pétrole, le gaz naturel, l'électricité. Il y a une énergie qui disparaît, qui est le charbon, j'en parle très peu, mais à savoir qu'en 1960, le ministre de l'Industrie fait un coup d'arrêt au charbon qui va mourir doucement jusqu'à la fermeture des derniers puits au début des années 2000. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir la diapo suivante, s'il vous plaît? Oui. Voilà, merci. Alors, si on se place maintenant au cœur du sujet, sur la place de l'énergie dans la politique d'aménagement, si on consulte par exemple la commission, les textes de la commission d'aménagement du territoire en 1964, donc un an après la création de la DATAR, on constate que l'énergie ne fait pas partie des priorités dans cet aménagement du territoire. On les trouve un petit peu vaguement dans des fondements, dans les orientations. La préoccupation principale est celle de la décentralisation industrielle, avec une préoccupation, c'est l'Ouest qui est peu industriel, mais l'idée, c'est de ne pas léser le Nord et l'Est, qui sont des régions traditionnellement de grande industrie. Alors, traditionnellement, les industries de ce qu'on appelle la première révolution industrielle étaient proches des sources d'énergie, en particulier du charbon, ce qui a fait des régions mono-industrielles et donc des régions difficiles à convertir. Et ça sera un des thèmes principaux. Alors, un mot sur les acteurs. Les acteurs, vous avez les acteurs publics, les ministères, le plan. Nous sommes quand même dans la grande période de planification. Et pratiquement que des acteurs publics. Charbonnage de France, créé en 45, EDF et GDF en 46. Alors, j'ai un peu triché sur les dates. En 45, on crée le Bureau de recherche de pétrole, qui après toute une série d'avatars deviendra Elf-Aquitaine en 1976. Il y a peu de représentants du privé, à part la société Total, qui elle, est privée, avec quand même un noyau dur de l'État, ce qui veut dire que sur ce secteur de l'énergie, l'État a une mainmise très forte. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer d'aborder, je regarde toujours ma montre et le temps passe toujours très vite. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'on se met à parler, le temps passe plus vite. D'abord, commencer dans ces études sectorielles par l'électricité. L'électricité, en 1945, l'ensemble du territoire n'était pas desservi. Il y avait au moins 1 million de Français qui n'avaient pas l'électricité, souvent des écarts, des zones rurales, mais ça a été la première tâche. L'autre question, puisqu'on parle d'aménagement, il y a des régions productrices, il y a des régions consommatrices. En gros, en France, le nord était thermique, le sud était hydraulique, mais il y a des régions très nettement déficitaires. Les grandes agglomérations, évidemment la région parisienne, ou l'ouest. Alors l'ouest, on va y revenir souvent, l'ouest présente un déficit d'énergie, et pour l'électricité, ça suppose à certains moments des basculements des importations d'ouest en est, et le réseau électrique est un réseau assez fragile, et ça a été la cause de la grande panne, c'est la panne de l'électricité en 78. Alors, je vais prendre deux exemples
qu'on pourrait appeler d'aménagement avec un petit peu de, parfois un petit peu d'exagération. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, d'abord, pour les électriciens, quand on parle d'aménagement du territoire d'électricité, il y a un exemple qui revient à la tête, l'ensemble de barrages et également d'irrigation de la Tennessee Valley Authority, la TVA, qui est non seulement un aménagement du territoire, mais surtout un mythe du New Deal américain, du New Deal rooseveltien, et de ces barrages comme le Boulder Dam, etc. Donc c'est aussi un petit peu l'idée que nous allons voir dans la diapo suivante sur l'aménagement de la Durance. Voilà. Alors bon, la carte est extrêmement générale, mais on voit bien quand même cet aménagement de la Durance qui commence au milieu des années 50, et on peut parler là d'aménagement du territoire. Alors, l'acteur principal, c'est EDF, avec les départements qui sont traversés par la Durance et le Verdon, mais il y a, vous voyez, cette tache bleue, c'est le barrage de Serre-Ponçon, est un barrage extrêmement, un barrage de terre, une grande digue de terre, quelque chose de qui n'est pas si facile que ça à faire. Et puis, toute cette série de barrages et d'usines le long de la Durance, le long du Verdon, et le canal d'Amenée vers l'étang de Berre et Marseille. Cet aménagement de la Durance est un aménagement qui avait plusieurs buts. Le premier, bien sûr, c'était d'apporter de l'hydroélectricité, de l'électricité, apporter aussi l'irrigation, mais il y avait deux autres buts, régulariser la Durance. Les Provençaux disaient au XVIIIe siècle qu'il y avait trois fléaux, il y avait la Durance, le Mistral et le Parlement. Alors le Parlement a disparu, le Mistral et la Durance restaient. Et la Durance a été assagie, c'était un fleuve un peu fou. Et le dernier point, c'est le tourisme. Que ce soit sur ces lacs que vous voyez, Saint-Cassien, le lac de Serre-Ponçon, etc., il y a toute une zone touristique qui a été aménagée. Donc voilà un exemple véritablement d'aménagement global, même s'il ne touche pas l'ensemble d'une région, mais en tout cas un fleuve et tous ses affluents. La suivante, s'il vous plaît. Alors, Je vais très vite, hein. Vous avez compris qu'en 20 minutes, je suis obligé d'un peu caricaturer. Si on regarde maintenant sur le nucléaire se démarre en France, le nucléaire civil, hein, bien entendu, au début des années 60. Au début, c'est le commissariat à l'énergie atomique, mais le nucléaire civil, c'est EDF. Et sa localisation, même si la carte est peut-être un peu petite, sa localisation est liée complètement à la présence d'eau. D'où vous avez deux fleuves qui sont extrêmement, j'allais dire, qui ont recueilli pas mal de centrales nucléaires, le Rhône d'un côté et la Loire, historiquement c'est même la Loire, et aussi le long des côtes, en particulier le long des côtes de la Manche, Flamanville, Paluel, etc., jusqu'à Gravelines, tout à fait au nord. Alors, on voit bien que cette répartition est parfaitement inégale. Certes, l'électricité, on peut la faire voyager partout. Et comme je vous le disais, ça ne voyage pas si facilement que ça, l'électricité. Donc, il y a encore une fois un déficit à l'ouest. Et puis, il y a des régions où on ne peut pas mettre de centrales nucléaires, le sud-est par exemple, parce que la sismicité est trop importante. Et à droite, je vous ai mis un exemple un peu particulier, c'est la centrale nucléaire de Chinon. Quand vous voyez une centrale nucléaire, de loin, ce que vous voyez, c'est les aéro-réfrigérants, il en sort de la vapeur d'eau. Le problème, c'est qu'à Chinon, on est très très proche des châteaux de la Loire, et en particulier de Chambord et autres, et donc les aéro-réfrigérants dans une zone UNESCO auraient été difficiles. Donc vous avez cette particularité d'aéro-réfrigérants qui sont au ras du sol et qui pulsent vers le haut la vapeur d'eau.
c'est très particulier, de façon à ce qu'on ne soit pas vu de plus loin. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, sur le pétrole, on est dans une logique un peu différente. La France a cherché du pétrole dans tous les sens, pratiquement elle n'en a jamais trouvé. Donc, c'est un pays d'importation. Ces importations, traditionnellement, arrivent par la Provence, par Marseille et Fos, ou par la basse Seine en Normandie. Là, les compagnies pétrolières, et souvent les compagnies anglo-saxonnes, puisque en fait, la plupart des compagnies, avant la création de d'Elf et le développement de Total, étaient des compagnies anglo-saxonnes, ont largement investi, on peut prendre le cas d'Antifer. Ce qui était plus intéressant d'un point de vue aménagement du territoire, c'est la théorie des raffineries intérieures. Les raffineries de Provence et de Normandie sont sur les lieux d'importation, mais il y a eu l'idée de faire des raffineries intérieures. Alors la plus connue sans doute, c'est Fézin, au sud de Lyon, à l'entrée de ce qu'on appelle la vallée de la chimie. Mais vous avez aussi Grandpuy en Seine-et-Marne, Valenciennes, qui est dans la raffinerie de Flandre, Vernon, Gargenville, etc. On remarquera qu'elles ont tendance à fermer les unes après les autres. Valenciennes a fermé, Vernon a fermé, Gargenville, j'avoue, je ne sais pas, et Grandpuy, très récemment, j'ai appris qu'elle allait fermer. Enfin, au point de vue circulation, là aussi, on est. Je peux passer la diapo suivante. En fait, on est sur là aussi un aménagement qui n'est pas un aménagement, qui est extrêmement déséquilibré. Il y a deux grands axes pour la circulation du pétrole, pour les oléoducs. C'est l'axe qui va du Havre sur la région parisienne et Grandpuy, et l'autre axe qui part de la Méditerranée et remonte la vallée du Rhône et qui part sur Karlsruhe. Cet aménagement étant d'ailleurs pendant longtemps un aménagement de l'OTAN pour desservir l'Allemagne. Donc là aussi on voit des aménagements qui sont liés soit à la nature, soit au point d'importation. Le suivant, s'il vous plaît. Alors, le nouveau venu, c'est le gaz naturel. Peut-être pour les plus jeunes, ils ne savent pas qu'à l'origine, le gaz était issu du charbon, on le distillait, et il y avait ce qu'on appelait le gaz de ville ou le gaz de houille. Dans les 1951, a été découvert à Lacq. Donc là que ça se trouve entre Pau et Orthez, enfin dans le Béarn, un gisement de gaz qui était un gisement difficile, mais que la France a décidé d'exploiter. Difficile parce qu'il était chaud et qu'il était saturé de soufre. Nous sommes à la fin des années 50, il est décidé, enfin tous les problèmes techniques sont résolus, et là il y a une grosse bagarre, on est vraiment dans une question d'aménagement. Où doit aller ce gaz? Localement dit, on voudrait garder ce gaz, mais la ressource est tellement importante qu'elle est nationale. Mais il y a un refus de desservir Paris. Il y a un directeur de Gaz de France qui a eu le malheur de vouloir desservir Paris. Il a été, passez-moi l'expression, viré immédiatement. Donc, l'idée, c'est de ne pas desservir Paris et de servir cette manne gazière pour le sud-ouest. Donc Lacq est devenu une région de chimie, de production de gaz, de production d'électricité, et on a construit à côté la première ville nouvelle qui s'appelle d'ailleurs Ville Nouvelle, Mourinx. Donc c'est véritablement c'est pour ça que j'appelle ça un combinat un petit peu à la soviétique, c'est-à-dire il y a une ressource de l'industrie autour et le logement. La suivante, s'il vous plaît. Je tiendrai à peu près le temps qui m'est imparti. Donc là, vous avez deux images. D'abord, la traversée d'une rivière par le réseau de lacs, c'était toujours assez compliqué. Et puis, le réseau de lacs en 1964. Tous les petits points, ce sont les anciennes usines à gaz. On laissait un mot dans le vocabulaire. Ces usines ont disparu au fur et à mesure
que se développait le réseau de gaz. Et vous voyez ce réseau de gaz qui a une forme de Y. Il va quand même sur Paris, mais il ne va pas dans Paris. Et puis, il y a une branche qui va sur la région lyonnaise. La suivante, s'il vous plaît. Là, vous avez le réseau tel qu'il est à peu près actuellement, à peu de choses près. C'est plutôt la fin des années 2000. Vous voyez, le réseau est un réseau complètement lié aux importations. Il faut savoir qu'il n'y a plus de gaz à Lac en ce moment et que ce réseau est un réseau d'importation. Il y a deux points maritimes, Fos-sur-Mer et Montoire de Bretagne. Montoire de Bretagne qui n'a rien à voir avec le Montoir du maréchal Pétain. Montoire de Bretagne. Et puis le reste, ce sont des arrivées terrestres de la mer du Nord, des Pays-Bas, de Norvège, de Russie. Et ce gaz arrive en gros par la frontière nord-est. Et donc le gaz qui allait du sud vers le nord, maintenant va du nord vers le sud, en sachant bien que pour trois abonnés à l'électricité, tout le monde est abonné à l'électricité, il y a un abonné au gaz. On n'est pas sur un réseau, c'est un réseau quasi national, mais pas national. Et vous voyez, tout à fait lié. Je vous rajouterai même autre chose, les stockages de gaz, il y a des stockages naturels qui sont complètement liés aux possibilités de la nature, ce qui fait que là aussi, vous voyez des trous dans la radiante. Alors, je terminerai là, je vais presque terminer, la diapo suivante, s'il vous plaît. Sur les changements actuels, alors je serai rapide parce que les deux exposés qui suivent sont beaucoup plus dans l'actualité, c'est tout à fait normal. Mais un mot quand même. Il y a des acteurs nouveaux. Les collectivités concédantes qui jouaient un petit rôle maintenant se font plus entendre. Il y a l'ADEME, il y a tout ce qui va être évoqué, les coopératives de production et autres. Mais même sur le plan des acteurs publics, il y a un changement profond. Charbonnage de France a disparu. Gaz de France est devenu GDF Suez et Engie, c'est-à-dire que le nom gaz a même disparu de son appellation. Elf a été absorbé par Total et EDF est un groupe avec trois entités indépendantes l'une de l'autre, le transport, la distribution et EDF même. Donc aujourd'hui, les objectifs, on le sait, n'est plus tellement de produire, ou de réduire la dépendance, parce qu'on en revenait toujours à peu près à ces 50% que j'évoquais en début, mais de décarboner l'énergie, d'utiliser moins d'énergie fossile et de consommer d'une façon plus durable. Alors, juste un mot avant de passer la parole à mes collègues, mes jeunes collègues, donc la diapo suivante. C'est pas intéressant de discuter en avantage. Donc voilà, si on prend ici deux cartes sur, alors je me reste toujours au niveau national, l'une à gauche sur l'éolien et à droite sur le photovoltaïque, on constate que pour l'éolien, les régions les plus productrices sont on va dire les Hauts-de-France et le Grand Est. Là aussi, on n'est pas forcément dans une logique absolument naturelle. On est sur des déséquilibres régionaux, il n'y a aucun doute. Il y a des régions qui résistent davantage. Il y a des régions qui ont pourtant du vent, mais qui sont sous-équipées. À l'inverse, on constate quand même pour le solaire, une logique naturelle, une logique physique plus importante. On voit bien que c'est le sud-ouest et le sud-est qui sont les plus producteurs, mais là aussi, il y aurait sans doute des rééquilibrages. Je crois que j'ai à peu près parlé 20 minutes. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions et à écouter mes deux collègues. Nous sommes revenus à l'écran. Merci Alain Beltran. Bon, vous nous avez bien montré
comment l'exploitation des sources d'énergie est porteuse de projets d'aménagement et finalement l'ampleur des transformations en termes d'aménagement du territoire qui ont été liées, impulsées par cette question énergétique. Mais j'aurais aimé, et vous nous avez bien expliqué aussi, qu'on était dans une période relativement monopolistique avec de grands acteurs centralisés. Moi, j'aurais bien aimé que vous reveniez un petit peu sur finalement quels étaient les apports, les avantages de ce système très centralisé qui a été très critiqué, à partir d'une certaine époque. Quels étaient pour vous, avec le recul historique dont on dispose aujourd'hui, les avantages de ce système? Quelles en étaient aussi les limites? Et quel regard vous portez sur les réorganisations, notamment de ces grands acteurs que vous avez évoqués? Merci pour cette question très vaste. La centralisation, elle allait un peu de soi après-guerre, parce que les nationalisations, que ce soit pour le charbonnage, le gaz ou l'électricité, en fait, c'était de ramener un très grand nombre de sociétés à une société. Donc, on était obligé de centraliser. Il y avait plus d'un millier de sociétés à nationaliser dans le cas de l'électricité. Il y en avait des centaines pour le gaz. Et quant au charbonnage, c'était des régions qui n'avaient pas grand-chose à voir les unes avec les autres, qu'il a fallu ramener sur une. Bon. Alors, les avantages de la centralisation, bon, évidemment, c'est la rapidité, c'est la facilité. On est aussi dans une époque dirigiste, et donc le dirigisme va avec tout cela. C'est aussi une époque où la région, enfin, tout ce qui est un peu décentralisation se fait encore mal entendre. Les avantages de la centralisation, c'est par exemple la normalisation. Le nucléaire français ou même les centrales thermiques, elles sont toutes identiques et on voit l'avantage. Donc pour la décision, pour la tarification, je prends juste un exemple, la tarification. Avant la nationalisation, je ne dis pas que chaque concession avait son tarif, mais on en était, que ce soit pour le gaz ou pour l'électricité, mais c'était presque là. Une fois qu'il y a la nationalisation, il y a un tarif, alors ça ne se fait pas du jour au lendemain, un tarif unique. C'est-à-dire que le service public qui suppose l'égalité de traitement, la mutabilité, etc., enfin bon, la définition classique du service public est beaucoup plus simple quand il s'agit de centraliser. Et je vous donnerai un exemple avant de passer à la suite de votre question. Si vous regardez la loi de nationalisation de l'électricité en 1946, le 8 avril, elle centralise, bien entendu, mais à l'article 2, vous avez comme une particularité qui est amusante. L'article 2, que ce soit pour l'électricité ou le gaz, il est marqué que l'électricité et le gaz seront régionalisés. Il y aura une distribution régionalisée. C'est l'article 2 de la loi. Cet article n'a jamais été appliqué. Il a failli être appliqué à la fin des années 50, il ne l'a jamais été. Donc, on peut parfaitement comprendre que la volonté était telle et la tâche difficile, et je dirais même plus, je ne sais même pas si c'est un choix pour répondre à votre question. Il faut penser que pendant très longtemps, la France a manqué de ciment, a manqué d'électricité, a manqué de... Donc, quand les ressources sont rares, il vaut mieux centraliser pour bien les utiliser. Quand elles sont plus nombreuses, on peut décentraliser. Donc, est-ce que c'est un choix? J'ai parfois l'impression, certes, nos grands ingénieurs sortis de Polytechnique et tout étaient sans doute dirigistes dans l'esprit et autres, mais je suis pas persuadé que ce soit un choix. Sur les limites, on les voit, hein, c'est que une erreur peut-être parfaitement multipliée, et on a été assez peu à l'écoute des régions. Si je prends dans le cas du nucléaire les implantations, certaines implantations ont réussi, d'autres ont échoué parce que sans doute l'écoute des régions a été insuffisante. Alors je
Je suis certain qu'il y a des Bretons qui m'écoutent, ils ont tous entendu parler de Plogoff. Il aurait dû y avoir une centrale nucléaire à Plogoff. Il y a eu un déficit de la part d'EDF et des pouvoirs publics d'écoute. Les Bretons ne sont pas contre l'énergie, mais ils ont aussi leurs idées. Alors, la réorganisation actuelle, je ne veux pas être trop long, elle ne se passe pas du tout au même plan. Vous avez vu que je suis pratiquement resté toujours à l'échelon national ou régional. Je n'ai pratiquement jamais abordé le département, encore moins le canton et encore moins la commune. On est aujourd'hui, mais je pense que les deux exposés vont nous montrer, dans des logiques beaucoup plus micro. Moi, je suis resté dans le macro. Maintenant, tout simplement, il faut que cette logique micro se marie bien avec le macro. C'est-à-dire que les deux se soutiennent et ne s'annihilent pas, qu'il n'y ait pas des efforts contradictoires. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est plus ou moins simple. Il ne faut pas oublier quand même que pour l'électricité et le gaz, dans une certaine mesure pour le pétrole, mais ce n'est pas tout à fait vrai, on est aussi dans des logiques de réseau. Et donc le réseau, il existe et il permet, qu'on le veuille ou non, cette égalisation au niveau du territoire. En particulier, l'électricité, bon, voyage très vite. Les électriciens vous diraient qu'elle voyage mal, mais le gaz aussi voyage. Il faut imaginer que ce gaz qui arrive de Russie, 15 jours après, il peut être utilisé à Paris ou à Romorantin. Donc, mais ça suppose des infrastructures. Et dernier mot, ces infrastructures, il faut aussi qu'elles aient une dimension européenne. Et maintenant, il y a toute une volonté que ces échanges, ces interconnexions ne soient pas des interconnexions nationales, mais européennes. Ce qui veut dire que, par exemple, dans la carte que je vous ai montrée sur le réseau de gaz, bah, peut-être que les interconnexions, dans un cas européen, ne seraient pas forcément au même endroit. Sauf que là, on est en dizaines, en centaines de milliards, et ça coûte extrêmement cher. Et en ce moment, j'ai l'impression que l'Europe a autre chose à faire. Merci pour votre réponse. Alors, on a quelques questions d'internautes, de participants à cette table ronde. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure d'y répondre très, très, très brièvement. Je vais en prendre une, mais vraiment en une, deux minutes. Comment expliquer que la fermeture de certaines raffineries qui avaient développé des technologies avancées, cracking catalytique, comme la raffinerie de Flandre dans la région de Dunkerque? Voilà, et il y avait aussi une question sur l'histoire de la charte de l'énergie qui protège les producteurs d'énergie fossile et permet aux entreprises d'attaquer les États qui veulent quitter le fossile. Je ne sais pas si vous pouvez répondre très brièvement à ces deux questions ou en choisir une. Je ne peux pas répondre à tout en détail. Bon, d'abord, je n'ai pas la connaissance universelle. C'est vrai qu'il y a toute une série de raffineries qui ont été fermées, surtout pour des questions de taille. Il y avait aussi des raffineries dans l'est de la France, Reichstätt, toutes ont été fermées. Il y a un problème de taille et un problème de lien avec l'industrie chimique. La Basse-Seine est quand même, et la région de Fézin et la région de Fos sont quand même des grandes régions chimiques. Donc il y a à la fois des interconnexions, des problèmes de taille, et des technologies qui, à un moment ou un autre, qui avaient été à la pointe, mais ne le sont plus. Ceci dit, la question est intéressante parce qu'on a fermé des raffineries qui permettaient d'avoir des équilibres régionaux, une dans le Nord, Vernon dans l'Eure, etc., etc. Donc, là aussi, on voit bien que la concentration, on comprend bien cette logique, elle se fait parfois au détriment d'une répartition plus équitable au niveau du pays. D'accord. On va y revenir avec les interventions suivantes et puis on poursuivra le débat avec vous, Alain Beltrand, dans la partie table ronde de notre conférence en fin de matinée.
Alors, merci beaucoup. On va passer la parole à Margot Pellegrino qui va intervenir sur la question de l'autonomie énergétique et des processus en œuvre. Et je passe la parole à Marc pour une présentation. Margot. Oui, donc nous allons maintenant entendre Margot Pellegrino. Margot Pellegrino est maître de conférence à l'université Gustave Eiffel Paris-Est-Marne-la-Vallée et chercheuse au Lab Urba à l'école d'urbanisme de Paris. Margot Pellegrino, vous avez une double formation puisque vous êtes diplômée en architecture du Polytechnico de Turin et que vous avez un doctorat en aménagement et en urbanisme. Vous assurez la coordination de l'axe transversal ville et énergie du LabEx Futur Urbain et à ce titre, vous participez à de nombreux projets de recherche relatifs notamment à la rénovation énergétique des bâtiments et à la transition énergétique en milieu urbain. Vous avez à votre actif de nombreuses publications et très récemment, une publication qui nous intéresse au premier chef et dont le titre s'appelle « Les territoires de l'autonomie énergétique », un ouvrage donc que vous avez co-dirigé avec Fanny Lopez et Olivier Coutard et dans lequel vous présentez de nombreuses opérations d'aménagement qui ont à voir, qui ont trait avec la question énergétique. Donc, c'est à partir de tous ces travaux, je pense que vous avez basé votre intervention. Et nous vous écoutons. Ah. On vous entend pas, Margot. Ouais. On ne vous entend pas là. Non. Toujours pas. Pascal. Oui, alors, elle a un problème de son. Non. Pas du tout. Non. On ne vous entend pas. Tout à l'heure, on vous entendait très bien tout à l'heure. Quand on a. Non. Non, toujours pas. Le micro est bien ouvert? Oui. Oui. Alors, je vais essayer. Margot, ce que je vous conseille, c'est de revenir dans deux petites minutes. Vous relancez le système, vous reconnectez et vous revenez vers nous. Ok, alors. Brigitte, tu reprends la parole. Oui, oui. Est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on donne on inverse l'ordre des présentations? Peut-être inverser l'ordre. Bon, Margot est là, donc on va essayer. Excusez-nous pour ces petites. Ça marche. Super. Pourtant, je n'avais rien touché, hein. Ça marchait très bien au départ. Bon, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Ah ben, j'y vais alors. Donc, merci pour cette invitation. Mon intervention s'intitule « Autonomie énergétique, processus en œuvre ». Et je prends le relais après la présentation de Alain Beltran, qui a illustré à travers une approche historique le lien entre l'énergie centralisée, un régime de monopole, et l'aménagement de l'espace. Dans ma présentation, je m'inscrirai plutôt dans les processus contemporains de transition énergétique et plus précisément dans les logiques de décentralisation, qui jouent un rôle de premier plan. Le renforcement des compétences des collectivités territoriales en matière de climat, air et énergie, qui découle des lois MAPTAM, NOTRe ou transition énergétique. La libéralisation des marchés de l'énergie, l'essor des énergies renouvelables, les effets locaux du changement climatique et d'autres processus encore font que l'échelle locale soit devenue le lieu par excellence pour la mise en œuvre de la transition énergétique à travers les plans climat, air, énergie par exemple.
mais aussi à travers des initiatives citoyennes, des projets portés par des opérateurs privés, etc. Alors, dans cette mouvance, l'autonomie énergétique vit un regain d'intérêt dans les discours, dans les stratégies des territoires, des particuliers, où elle est présentée comme étant une approche très pertinente pour la mise en œuvre à l'échelle locale de la transition énergétique. Ben encore, faudrait-il s'entendre sur ce que autonomie énergétique signifie, car l'autonomie énergétique est loin d'être quelque chose de monolithique et de figé. Sa nature est plutôt protéiforme et se traduit dans une multiplicité de configurations qui ont des caractéristiques politiques, spatiales, temporelles, sociales et techniques très variées. Alors, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, qui se base en effet, comme vous l'avez évoqué, en large partie sur l'ouvrage « Les territoires de l'autonomie énergétique », ainsi que sur d'autres références que vous verrez listées en bibliographie, et de contribuer à mieux décrire et comprendre cette nature protéiforme de l'autonomie. Je vais structurer ma présentation en deux parties. Dans un premier temps, je partirai des débats en cours autour de l'autonomie énergétique, et notamment de trois questions qui sont très débattues. La première, quel doit être le lien entre un projet d'autonomie énergétique et le réseau centralisé? La deuxième, quelles sont la bonne échelle et le bon périmètre pour un projet d'autonomie? Et la troisième, quelle est la bonne temporalité pour penser l'autonomie? En croisant ces trois dimensions, donc rapport aux systèmes techniques centraux, échelle et périmètre et temps, je présenterai trois configurations de l'autonomie. Et puis, dans un deuxième temps, je m'appuierai sur ces configurations pour remettre au centre du débat le rôle du politique et la place des divers acteurs dans les processus d'autonomisation. Pour introduire les débats en cours, je vais me servir d'un exemple tiré de l'actualité. Aux États-Unis, il y a une vingtaine de jours, les États du Sud ont été intéressés par une vague de froid exceptionnelle. Les puits de forage pour le gaz et le pétrole, aussi les pales des éoliens ont gelé. Les centrales nucléaires et à charbon n'ont pas tenu le coup. Et en un mot, la production d'énergie a chuté. Mais les dégâts n'ont pas eu la même ampleur dans tous les États. Au Texas, ils ont été beaucoup plus importants, avec plus de 2 millions de foyers et d'entreprises qui sont restés dans le noir pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours pour des centaines de milliers d'entre eux. L'une des raisons est à rechercher dans le fait que le Texas est le seul État à disposer d'un réseau énergétique, électrique notamment, autonome, quand tous les autres États sont raccordés entre eux et aux deux réseaux fédéraux, comme vous le voyez dans cette carte. Le Texas n'a donc pas pu demander de l'énergie aux États voisins lors du besoin. En même temps, à son tour, le territoire du Texas n'a pas été impacté partout de la même façon par cette catastrophe climatique, pour plein de raisons différentes, parmi lesquelles aussi le fait que certains quartiers, îlots ou équipements urbains étaient à leur tour équipés par de micro-réseaux électriques autonomes à leur tour du réseau texan centralisé. Et eux, ils ont pu continuer à être alimentés en énergie, du moins pour les services essentiels et de façon temporaire. Ce mode de fonctionnement avait déjà fait ses preuves en 2017 lors des ouragans Irma et Harvey. Mais en synthèse et en simplifiant un peu, on pourrait dire que dans le cas du Texas, l'autonomie à l'échelle locale s'est montrée être une ressource en cas de crise, alors que l'autonomie à l'échelle nationale a joué de facteur d'amplification de l'événement catastrophique. Mais inversement, en période de normalité et en dehors de tout moment de crise, sur le temps long, donc du coup, l'autonomie énergétique nationale du Texas fonctionne par ailleurs très bien et très souvent citée comme un modèle à suivre et à répliquer. Donc, rapport au réseau central, échelle et périmètre pertinents, temps de l'autonomie. Ces trois dimensions paraissent, on l'a vu dans l'exemple, étroitement imbriquées. Et si on les croise, il est possible de construire trois configurations de l'autonomie énergétique que je vais présenter. Alors, la première configuration est celle de l'autonomie en système fermé. Elle se caractérise par l'absence de toute connexion avec les grands réseaux centralisés, par une définition claire et figée du périmètre de ce qui est autonome et de ce qui ne l'est pas,
et un manque de dialogue avec ceux qui se situent en dehors du périmètre même. On peut retrouver dans cette configuration des projets variés. Par exemple, les initiatives porteuses d'une utopie off-grid radicale, parfois ancrée dans l'idéologie, telle que illustrée par l'ouvrage « Le rêve d'une déconnexion » de Fanny Lopez, où la déconnexion est un choix, une volonté. On retrouve aussi des solutions qui sont développées pour nécessité, pour l'impossibilité matérielle de se connecter à un réseau, parce que ce dernier n'existe pas ou parce qu'il est très éloigné, comme en haute montagne ou dans des villes, etc. Concernant l'échelle, tout dépend clairement du point de vue. La petite échelle semble être la plus pertinente. Un équipement, un bâtiment peuvent se trouver dans cette configuration d'autonomie. Mais pour les États du Sud aux États-Unis, le Texas tout entier se trouve dans cette configuration. Quant aux temporalités, la déconnexion peut devenir un facteur de risque et de contrainte. Il n'y a pas la possibilité d'échanger des flux d'énergie au moment d'un éventuel besoin. La deuxième configuration que je vais présenter est celle de l'autonomie connectée. Elle se caractérise toujours par la définition claire du périmètre de ce qui est autonome, mais on est là, n'est pas dans un cadre de déconnexion, système centralisé. Au contraire, en temps de normalité, les échanges d'énergie sont possibles, voire nécessaires, entre le périmètre autonome et le réseau centralisé. Nécessaire parce que l'objectif d'être complètement autosuffisant en matière d'énergie, c'est-à-dire de consommer à tout moment toute l'énergie produite localement et de produire l'énergie pouvant à tout moment être consommée, c'est quelque chose de très difficile, voire impossible à atteindre. Donc, il n'est donc pas possible en temps normal de se déconnecter complètement du réseau centralisé avec lequel la zone autonome échange des flux aux besoins en puisant de l'énergie ou en réinjectant la production excédentaire. Alors, cette configuration est peut-être la configuration dominante dans le panel très large des configurations de l'autonomie. Et on la retrouve à plusieurs échelles. On la retrouve très souvent, par exemple, à l'échelle des petites communes, notamment en zone rurale. J'en mentionnerai quelques-unes, par exemple le Méné, Pradmolo, Locminé, Marmagne, Angersheim, Lausanne-Goëlle. Il s'agit de petites communes qui ont moins de 7000 habitants et qui se sont lancées, comme vous voyez dans l'image, sous le vent de cette autonomie qui souffle dans leur territoire. Cette configuration de l'autonomie connectée se retrouve également dans l'urbain dense, à l'échelle de projets urbains, par exemple. Mentionnons l'exemple très connu de l'îlot Icarie à Lyon Confluence, où l'autonomie de production énergétique est réalisée, entre autres, à travers une mutualisation des flux internes au périmètre du projet entre trois bâtiments qui ont des fonctions et des usages complémentaires du tertiaire, des logements et des commerces. Dans ce projet aussi, l'équilibre énergétique entre production et consommation se fait sur l'année et donc la connexion au réseau centralisé demeure nécessaire. Il y a une variante très intéressante de cette configuration de l'autonomie connectée qui est celle proposée par les micro-réseaux du Texas qu'on a mentionné auparavant. Alors, si dans un état de normalité, leur mode de fonctionnement est tout à fait identique à ce que je viens d'illustrer, en temps de crise, il y a un glissement qui s'opère vers une configuration de désynchronisation des réseaux centralisés qui n'est ni définitive ni pérenne, mais temporaire. Lors de la défaillance du réseau central, les micro-réseaux se désynchronisent et peuvent fonctionner temporairement de manière autonome en mode îloté, alors que dans un état de normalité, le territoire est uniforme du point de vue de l'accès aux services énergétiques. En période de crise, s'instaure un fonctionnement qu'on pourrait définir par tâche de léopard, avec des zones, celles desservies par le réseau centralisé qui sont éteintes, et d'autres, celles desservies par les micro-réseaux qui restent allumées et qui peuvent servir de zone de refuge ou assurer des services essentiels comme des services sanitaires ou de l'approvisionnement. La dernière configuration que je vais présenter est celle qu'on pourrait qualifier d'autonomie coopérative. Comme dans le cas précédent, il y a bien une connexion au réseau centralisé,
Ce qui est spécifique de cette configuration est l'absence d'un périmètre figé dans le temps et dans l'espace pour le projet d'autonomie. Je donne quelques exemples. Si le projet prévoit la réalisation d'un réseau de chaleur, celui-ci peut être pensé de façon à ce qu'il puisse, dans le temps, alimenter de nouveaux bâtiments qui ne font pas partie du projet initial. Dans le cas du projet Nanterre Cœur Université, en phase concours, le promoteur s'était engagé à explorer les possibilités de mutualisation énergétique, dans ce cas thermique, avec les quartiers voisins et notamment avec une piscine qui était à proximité du projet mais qui n'en faisait pas partie, qui préexistait. Dans cette configuration, le projet d'autonomie n'est pas envisagé en rupture ou en opposition ou en alternative avec l'existant. Au contraire, la possibilité d'échange énergétique, de mutualisation, est à la base même du projet. C'est ce qui le rend possible. En allant plus loin, on arrive aussi à des propositions où le projet d'autonomie concerne tout aussi bien le fonctionnement énergétique de ce qui sera réalisé que le fonctionnement énergétique de ce qui existe déjà. C'est l'exemple d'une proposition de l'agence Franck Boutet qui préconise une sorte de bourse de durabilité. Il s'agit d'un dispositif solidaire d'échange de flux, mais aussi financier, entre le bâti neuf très performant et l'ancien qui est très énergivore et qui doit être rénové. Alors, une fois ces configurations présentées, quel est leur intérêt? À quoi vont-elles servir? Bah, à mon avis, à mon sens, premièrement, pour transformer les questions initiales autour de l'autonomie qui font débat aujourd'hui. Je les rappelle, quel est le lien entre le projet d'autonomie et le réseau centralisé? Quelles sont la bonne échelle et le bon périmètre pour un projet d'autonomie? Et quelle est la bonne temporalité pour penser l'autonomie? Alors, les configurations que j'ai montrées, qui sont construites en croisant ces trois dimensions, montrent bien que la question de l'autonomie se pose à toutes les échelles, de l'équipement à l'État. Qu'elle peut se réaliser à travers des degrés variés de connexion au réseau centralisé, allant de la déconnexion permanente à la désynchronisation temporaire, à la connexion permanente. Qu'elle peut instaurer des relations variées avec le territoire, allant de la rupture à la solidarité. Et enfin, qu'elle peut assumer un sens complètement différent en période de normalité ou en période de crise. Alors, face à l'ampleur et à la variété des configurations possibles, et encore ici, nous n'avons croisé que trois dimensions, nous ne regardons que trois aspects de l'autonomie. Il me semble que les débats autour de l'autonomie énergétique devraient déplacer leur focus de la recherche d'un optimum, d'un modèle, d'une régularité, vers une appréhension plus large. Il convient en effet, sans doute, parler d'autonomie énergétique au pluriel et regarder les processus d'autonomisation dans le temps long et dans les différentes configurations territoriales. Alors, pour ce faire, il devient primordial, à mon sens, de récupérer la portée politique de la notion d'autonomie énergétique. Dans l'ouvrage « Les territoires de l'autonomie énergétique », nous définissons l'autonomie énergétique selon une acception politique comme la capacité d'un acteur, ou le plus souvent d'un système local d'acteurs, à définir les conditions de production, de circulation, d'approvisionnement et de consommation énergétique du lieu considéré. La question n'est plus tant de savoir quelle est la meilleure autonomie en absolu, mais plutôt quel est le meilleur projet d'autonomie pour quel territoire, pour quelle temporalité et surtout pour quel objectif politique. Cela renvoie au dernier point que j'aborderai dans cette présentation, celui des acteurs. Qui sont les acteurs qui recherchent l'autonomie énergétique? À qui reviennent les décisions et le choix du type d'autonomie à réaliser? Pour poursuivre quel but? Pour quelle rationalité? Quelle reconfiguration en cours? Alors, sans viser l'exhaustivité, je vais reprendre certains des exemples mentionnés. Alors, dans le cadre des petites communes rurales, l'initiative et le portage des projets d'autonomie sont souvent publics, avec les élus locaux qui sont en première ligne, et parfois accompagnés ou en accompagnement de mobilisation et d'initiatives citoyennes. C'est le cas de Angersheim, de Lesangoël, du Méné, entre autres. Alors ici, le projet politique d'autonomie énergétique est avant tout un projet de développement économique d'un territoire qui était dans un contexte de déclin, de désindustrialisation et de perte d'identité. Vous voyez sur le slide la route des énergies au Méné.
C'est une carte qui présente toutes les différentes installations qui ont été réalisées, la pépinière d'entreprise, les installations photovoltaïques, l'huilerie de colza, l'usine de méthanisation, en fait, toutes les structures et tous les moyens qui ont été adoptés pour mener à bien ce projet et concrétiser ce projet d'autonomie énergétique. Donc, cette carte a évidemment l'objectif d'illustrer le projet, mais aussi, et c'est explicité, de développer une destination de tourisme industriel et durable et de donner une identité novatrice au territoire. En un mot, contribuer à construire une nouvelle identité locale. Donc, le projet d'autonomie s'avère sur le temps long plus un prétexte pour favoriser le déclenchement de la reconversion globale d'un territoire. En effet, si dans un premier temps l'autonomie est un objectif en soi, dans le discours du projet, avec le temps, le discours des acteurs s'en éloigne. Par exemple, au Méné, la date à laquelle l'autonomie sera atteinte a été déjà repoussée dans le temps, en laissant aussi entendre que ça n'est plus peut-être l'objectif prioritaire et que d'atteindre 100% d'autonomie, ce n'est pas peut-être si important. Par contre, il y a une logique, enfin une multiplicité de logiques complémentaires à celle de l'autonomie énergétique qui se développe dans le discours des acteurs, comme par exemple la réduction des consommations de l'existant à travers l'amélioration de l'efficacité du bâti, mais aussi la sobriété énergétique. Alors, un portage par les élus locaux et une échelle, celle des communes rurales, qui est relativement réduite, pourrait faire croire à un processus relativement peu complexe. Or, comme le montre cette image présentant le jeu d'acteurs au Méné, on est loin de là. Je ne rentrerai pas dans le détail de l'image, mais vous pouvez voir la complexité du montage de ce projet, où les acteurs privés jouent un rôle de premier plan, notamment dans l'identification des stratégies pour la mise en œuvre de l'autonomie. Le rôle des acteurs privés semble être encore plus important à l'échelle des projets urbains. Le travail de Zélia Impiquien autour de l'îlot Icari à Lyon Confluence a permis d'examiner, et je cite, à quel point dans la dynamique d'autonomie énergétique se joue la question fondamentale de la répartition des coûts et des bénéfices que représentent les circulations énergétiques. Autour de cette répartition des coûts se structure de réconfigurations importantes dans les métiers et dans les choix des acteurs, dans les rationalités des acteurs impliqués dans le projet. À Icari, par exemple, en premier lieu, il y a l'action du promoteur qui conçoit ce projet comme un démonstrateur de la technologie blockchain pour pouvoir se positionner à long terme comme un acteur du trading de l'énergie, mais aussi la rationalité des autres acteurs conventionnellement en dehors de la sphère de l'approvisionnement énergétique, comme la collectivité locale, qui propose des modèles pour tenter de conserver ou de s'attribuer au moins en partie la valeur de la circulation des flux énergétiques. La reconfiguration des métiers ou l'émergence de nouveaux métiers semble nécessaire également pour faire face aux difficultés que certains projets d'autonomie rencontrent. À Bordeaux, le projet Saint-Jean-Bessier, étudié par Guillaume Blanchard, a traversé de nombreuses phases de blocage dues à une coordination insuffisante, à une fragmentation des compétences dans les différentes phases du projet. Comme le montre le schéma, le projet énergétique émerge dans un premier temps du projet urbain à l'initiative de l'aménageur, mais ce dernier en est au fur et à mesure dissocié. Ce qui prône pour la création au sein des projets d'une cabine de régie qui pourrait prendre la forme d'une maîtrise d'ouvrage énergétique, d'un système de gestion partagé à travers des plateformes numériques, comme dans le cas de l'expérimentation Corday à Clichy-Batignolles. Enfin, et je conclurai là-dessus, récupérer la portée politique de l'autonomie énergétique est le véritable défi pour la planification urbaine. D'une part, pour cadrer les processus et assurer une uniformité du service au territoire, ou alors prendre la responsabilité de choisir quels périmètres sont considérés comme prioritaires, par exemple lors d'une catastrophe climatique, et quels autres ne le sont pas. D'une autre part, pour accompagner les opportunités locales avec leurs exceptions, dérogations, spécificités, le cas par cas, car il n'existe pas de modèle tout prêt, tout fait,
chaque projet étant plus un assemblage unique qui difficilement va pouvoir se reproduire à l'identique sur un autre territoire. Je vous remercie pour votre attention et vous trouverez une bibliographie des références sur lesquelles je me suis appuyée pour cet exposé. Merci. Merci beaucoup Margot Pellegrino. Alors, vous nous avez présenté une conception qui est très originale de l'autonomie dans les projets énergétiques, en tout cas qui est assez originale par rapport aux conceptions généralement admises. Donc, deux petites questions. La première, c'est qu'est-ce qui vous a amené à concevoir à concevoir ainsi l'autonomie? Comment vous êtes arrivé à ce résultat? Et puis la deuxième, et je ne sais pas si c'est possible de répondre, c'est quelle est aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de la part de population qui est peu ou prou concernée par des projets d'autonomie énergétique? Merci. Je commence par dire qu'on a rien inventé. Donc, ce que je présente est le résultat d'un travail d'assez longue haleine qui est né avec. On n'est pas les premiers non plus à travailler sur la question de l'autonomie énergétique. Disons que le point de départ a été un cycle de séminaires qu'on a réalisé au sein du LABEX Futurs Urbains, où on avait invité des chercheurs, mais aussi des personnalités du monde de l'aménagement, des professionnels à intervenir sur la question de l'autonomie énergétique et des territoires. Et on partait tout simplement d'un constat, celui d'une variété très importante déjà d'acception de autonomie. Certains travaux se concentraient principalement sur une acception qu'on pourrait définir de socio-technique, donc effectivement de regarder de près cette question de la déconnexion du réseau centralisé et donc à quelle échelle, à quel niveau un projet pouvait effectivement être autonome. D'autres approches se focalisaient plus sur des acceptions métaboliques, donc en regardant, en analysant les flux, quel périmètre pouvait être le périmètre pertinent pour garantir une autonomie énergétique d'un territoire et à quelle échelle. Et puis, il y avait certains travaux qui pointaient davantage la dimension politique. Alors, ça nous a semblé très intéressant de définir l'autonomie à travers une acception politique, parce qu'en fait, on met là l'accent sur la capacité des acteurs à construire une vision pour leur territoire et à la rendre opérationnelle. Et ça permet de ne pas mettre en premier plan la question de l'échelle, la question du périmètre, qui, effectivement, si on commence, si c'est l'échelle et le périmètre qui sont l'entrée au départ, on est vite perdu, parce que on est dans une multiplication incroyable, comme j'ai pu le montrer, de configuration de cas de figure, où le cas par cas semble régner, et on n'arrive pas à trouver la clé pour approcher cette autonomie énergétique. Donc, de déplacer le focus des questions sur le point de vue décisionnel, donc la capacité des acteurs à avoir une vision, à porter une vision d'autonomie politique sur le territoire, ça nous a paru être primordial. Et de là, effectivement, c'est la porte d'entrée pour analyser les reconfigurations des métiers dans le monde de l'aménagement, mais pas que. Donc, avec les gestionnaires des réseaux, d'une part, promoteurs, dont la reconfiguration des métiers autour de l'énergie est incroyable, hein, pas que dans le domaine de l'autonomie énergétique. On le voit très bien aussi dans le domaine de la rénovation énergétique de l'existant, par exemple. Et les collectivités locales elles-mêmes, avec les nouvelles compétences dont elles disposent, qui veulent être partie prenante de positionner dans ce jeu. Donc, c'est la porte d'entrée qu'on a utilisée dans cet ouvrage, et puis évidemment, chaque contribution a gardé l'approche présentée. Donc, vous pourrez les retrouver dans les différents chapitres qui composent l'ouvrage. Et puis, il y a d'autres projets aussi en cours. Il y a un projet européen qui s'appelle Lotus, qui regarde ce que l'énergie fait à l'aménagement. C'est un projet international. Et c'est plutôt dans ce contexte-là qu'on a étudié de plus près les petites communautés rurales et l'autonomie énergétique à l'échelle du territoire. Alors, c'est vrai que un peu l'absent de ma présentation est l'échelle régionale, que j'ai peu mentionnée, parce que peut-être parce qu'à travers les démarches des POS, c'est aussi ce qu'il y a de plus connu. Je me suis
tromper peut-être, mais voilà. Et c'est dans le cadre de cet autre projet qu'on a abordé le communautaire oral. Et après, pour la deuxième question, oui, donc les ordres de grandeur de l'autonomie. Alors, la question est complexe. Si on regarde à l'échelle planétaire, il y a des pays comme par exemple le Costa Rica ou l'Uruguay où là, l'autonomie énergétique est presque est de 100%. Donc, ils sont autonomes en énergie complètement. L'Éthiopie, par exemple, à travers les barrages hydrauliques, elle affiche une autonomie de 90% si je me rappelle bien. En France, c'est un peu le cas de figure aussi des territoires outre-mer. Il y a une politique très claire pour les territoires outre-mer où il y avait des objectifs à 2020 de 50% d'autonomie énergétique qui n'ont pas forcément été atteints ou en tout cas de façon disparate selon le territoire, mais c'est quand même un objectif réel et qui va vers le 100% d'autonomie en 2030. Puis il y a en France à l'échelle régionale, il y a les territoires Partepos. J'ai peut-être même, parce que je l'avais mis comme information supplémentaire dans mon portfolio. Je ne m'en suis pas servi, mais elle est là, une carte. Est-ce que vous la voyez, la carte des Tepos? Non, là, on voit la dernière diapo que vous avez projetée. Ah, et là? Oui. Voilà, donc territoire énergie positive, oui, tout à fait. Voilà, c'est pas à l'échelle et tout, parce que c'était, voilà, je l'avais juste mis là, après je ne l'ai pas utilisé, mais ça, c'est une carte qui montre en vert les territoires TEPOS qui existent en France. Après, donc on peut avoir une idée au niveau spatial de l'étendue de ces territoires. Par contre, dans cette carte ne sont pas présents tous les projets que j'ai mentionnés à l'échelle du projet urbain, par exemple. Le Hilo Ikari, le projet de Bordeaux ne sont pas présents. Il est très difficile de chiffrer, de quantifier d'un point de vue vraiment quantitatif. À ma connaissance, il n'existe pas une étude qui va pouvoir recenser vraiment d'un point, enfin, kilowattheure, hein, parlant vraiment unité de mesure d'énergie, quelle est la part de ce projet à l'échelle nationale. Je ne saurais pas dire ça, mais voilà, on peut avoir du visuel à travers cette carte et puis des interventions plus ponctuelles qui existent. D'accord. D'accord. Toujours d'un peu dans ce même esprit, une question d'un participant, Dominique Fija, qui demande est-ce que l'on dispose de bilans économiques comparés des différentes configurations d'autonomie énergétique? Et puis, on a aussi, alors c'est une question très, très différente et peut-être on y reviendra dans la partie table ronde, un participant qui pose la question de l'autonomie aussi des quelque sorte des ressources qui sont produites ou des moyens de production des dispositifs, par exemple typiquement des panneaux solaires, voilà, et notamment la question de la consommation d'espace qui est liée à ces nouveaux modes de production énergétique qui peut aller, enfin en tout cas qui interroge très directement l'aménagement du territoire. D'accord. Bilan économique comparé de ces configurations, je ne saurais pas vous dire. En fait, la comparaison elle-même, d'un point de vue économique, elle est très difficile parce qu'on passe quand même de quelque chose qui peut être peut se limiter à l'échelle d'un bâtiment et puis aller jusqu'à l'échelle d'une région ou d'un État. Si je me limite au cas de figure le plus simple, entre guillemets, prenons l'échelle du bâtiment. Il y a quelque chose qui est très intéressant et qui devient de plus en plus d'actualité et qui est à la base de cette bourse de durabilité que j'ai mentionnée dans ma présentation. Bah, on se rend compte que vouloir atteindre à tout prix de 100% d'autonomie sur un projet, génère des surcoûts très importants. Donc, le plus on s'approche du 100%, à chaque kilowattheure qu'on veut récupérer, le coût qu'on doit investir pour obtenir cette réduction de consommation croît de façon exponentielle.
Donc, à un certain moment, on est en perte totale d'équilibre et d'intérêt économique sur le projet parce que pour atteindre très peu en termes de résultats, il faut investir beaucoup. Donc, il y a beaucoup de professionnels, d'intervenants, de chefs politiques qui proposent de s'arrêter à un moment. L'objectif 100% autonomie, 100% énergie positive n'est peut-être pas le bon objectif. Arrêtons-nous quand ces surcoûts deviennent disproportionnés par rapport aux avantages qu'on peut en tirer. Et ce surcoût qu'on a épargné, bah, on peut les utiliser pour faire quelque chose d'autre. Et c'était l'idée de cette bourse de durabilité. Donc, on peut mutualiser ces surcoûts qu'on a épargnés pour atteindre peu de résultats et les investir dans quelque chose d'autre, comme par exemple la rénovation de l'existant, où là, on a vraiment des larges marges de gains en termes économiques. Ils sont tellement énergivores que on peut vraiment gagner beaucoup plus d'énergie que enfin, se focaliser sur rattraper quelques kilowattheures de consommation. Et puis, la deuxième question sur la consommation de l'espace et l'autonomie des moyens de production. Alors là, clairement, on est ça pourrait être encore une... Enfin, ça me permet de préciser que les configurations que j'ai présentées, attention, elles ne concernent que trois dimensions, l'échelle, le périmètre, le temps et la connexion au réseau. Alors, par exemple, les acteurs, ils ne sont pas intégrés dans ces configurations. Je les ai plutôt rattrapés à la fin à travers cette idée d'autonomie politique. Mais on pourrait très bien construire une autre catégorisation de l'autonomie en regardant qui est le porteur du projet et si le porteur du projet est lui-même propriétaire des moyens de production. Et alors là, et je pense que ça sera aussi peut-être la prochaine intervention qui nous sera là-dessus, clairement toutes les initiatives citoyennes, les projets d'autonomie énergétique à l'échelle locale, de communauté énergétique, là clairement la question de la propriété des moyens de production est au centre. Alors que dans la plupart des projets que j'ai mentionnés, eh ben, c'est pour des opérateurs privés qui interviennent largement dans la et qui restent propriétaires de certains moyens de production. Sur la consommation de l'espace, oui, tout à fait. C'est, mais ça, c'est quelque chose qui était très 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 regardé avec l'essor du photovoltaïque, qui demandait. Qui aurait pu risquer de compromettre les espaces agricoles, qui auraient pu se reconvertir en production, mais avec les lois très récentes, voilà. On est dans la bonne direction pour éviter que ça se produise. D'accord, ben merci beaucoup Margot. On a d'autres questions, mais on va les garder pour la phase table ronde. Ah. Et puis, on va effectivement passer à la dernière intervention qui va traiter de la place du citoyen dans les politiques énergétiques et des moyens et outils pour les impliquer. Donc, elle va être proposée par Nargis Mimouni et elle s'intitule « L'appropriation citoyenne des enjeux de la transition énergétique ». Marc, je te laisse la parole pour présenter Nargis. Oui, donc Nargis Mimouni, vous travaillez à l'AREC, Institut Paris Région. Vous avez une formation d'ingénieur et vous êtes chef de projet énergie renouvelable et efficacité énergétique. Alors pour notre auditoire, je rappellerai que l'AREC est l'agence régionale énergie climat Île-de-France, qui est donc un département de l'Institut Paris Région. Et que l'AREC a pour objectif de faciliter et d'accélérer la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique en assistant les collectivités et les autres acteurs franciliens. Les principaux domaines d'intervention sont la sobriété, l'efficacité et la rénovation énergétique, l'adaptation au changement climatique, l'économie circulaire, l'aménagement et la construction durable. Et c'est dans... le cadre de l'activité de l'AREC que vous avez eu à faire ou à avoir connaissance de nombreux projets d'aménagement. Voilà. Donc, vous avez la parole pour votre exposé. Merci beaucoup. Donc, tout à fait, je vous partage mon écran. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a un souci.
C'est bon. Merci. Oui. Merci Narcisse. Alors effectivement, donc pourquoi l'appropriation citoyenne des enjeux de la transition énergétique, c'est qu'on sent que les citoyens sont beaucoup plus impliqués qu'avant. On observe un rapprochement entre les structures, institutions publiques, sociétés privées, associations, syndicats, et progressivement, en fait, on lève un peu les confusions qu'il pouvait y avoir entre ces acteurs concernant les compétences, les savoirs et les techniques. Ça aide justement aux démarches qui visent à travailler ensemble, qu'il y a un réel intérêt. Et l'insouciance sur le réchauffement climatique, elle n'est pas nouvelle pour les citoyens, mais la conscience qu'il est possible d'agir individuellement et en communauté pour maîtriser la consommation et même sa propre production, c'est une réaction positive et une envie d'agir qui, elle, émerge progressivement. Donc, c'est en référence à cette prise de conscience qui s'étend jusqu'aux citoyens qu'elle ait choisi ce titre d'appropriation. C'est comme l'a souligné Margot Pellegrino, on tend à accroître notre autonomie énergétique et cela ne peut être possible, je pense, qu'avec une implication citoyenne. Et cette appropriation, elle passe par une simplification des technologies qui composent nos installations, mais aussi de la communication qui est dans les deux sens, donc d'où l'image que j'ai choisie, qui va des institutions vers les citoyens et des citoyens vers les institutions. Puisqu'il s'agit à la fois de partager autant que possible la connaissance, mais aussi de savoir écouter les propositions qui peuvent découler de ces échanges pour que justement les projets soient le plus cohérents possible avec les territoires. La transition énergétique, elle touche plusieurs domaines, à la fois la rénovation thermique des bâtiments, l'adaptation des transports, l'aménagement des territoires, la production, le stockage, les usages des énergies, donc la consommation de manière générale. On a aussi tout ce qui va être préservation et la restauration des écosystèmes, l'économie circulaire, et de manière générale, tout ce qui va être lié aussi à la dépendance aux ressources rares. Donc, lors de cette présentation, je vais surtout m'attarder sur les volets qui sont le plus accessibles, en tout cas sur lesquels on observe le plus de démarches par rapport à la transition énergétique. Donc, ce sera les volets de l'efficacité énergétique et de la production. Mais il faut savoir que du coup, le citoyen a sa place sur tous ces domaines-là. Donc, pour commencer, je voudrais revenir sur les quatre leviers de la transition énergétique qui montrent bien donc le citoyen à sa place dans tous ces aspects-là. Donc, que ce soit l'innovation technologique, puisque effectivement, on va être sur des innovations organisationnelles, des recherches, des développements, que ce soit donc à l'échelle résidentielle ou industrielle. Et donc, tous ces éléments-là, il faut les travailler de manière à ce qu'ils permettent une économie des ressources naturelles, effectivement, et de les simplifier pour que les citoyens puissent se les approprier. Donc, les technologies et les techniques de production de 2030 se décident aujourd'hui. Et donc, tout ce qui va être investissement, formation, par rapport à ces éléments-là, il faut qu'il soit accessible. On a également le changement de comportement. Donc, quand on dit changement de comportement, on parle effectivement de tous, que ce soit des acteurs publics, privés ou des administrés. Par rapport à l'orientation des financements publics également, puisque effectivement on va être il va falloir avoir un impact, enfin il va falloir prendre en compte l'impact
de ces financements sur les citoyens et leur capacité à rentabiliser leurs projets. Quand on parle d'aménagement également du territoire, puisque sur l'aménagement, il y a un besoin pour les projets de foncier, très souvent, des fonciers qui peuvent être en cité agricole, par exemple, je pense à la méthanisation. Et donc, il va falloir envisager une intégration paysagère spécifique. Et donc là, parfois, il peut y avoir des levées des citoyens. Donc, il est très important que ce soit via des de la mise à disposition de publications, des rapports associés au projet, pour justement amener le citoyen à s'approprier le projet et pour que le projet également puisse être adapté aux besoins du terminier par les habitants. Donc, s'il paraît évident, quand on observe ces principaux leviers, qu'on ne peut pas envisager la transition énergétique sans impliquer les citoyens, ce serait également trop facile de déléguer cette tâche aux citoyens, tout simplement. Donc, quand on parle ici de stratégie, la stratégie, c'est une définition d'action, mais aussi principalement leur répartition entre les acteurs. Donc, avec l'énergie, les investissements d'avenir, les initiatives menées par les acteurs pionniers sur le territoire, on voit effectivement que le public, comme le privé, travaille en collaboration. Donc ici, j'ai mis effectivement une infographie qui reprend les différentes typologies de porteurs de projets. Donc, ça peut être des collectivités locales, des acteurs économiques et également des collectifs citoyens, et de voir justement les atouts, les avantages de leur collaboration ces liens entre les différents développeurs de projets. Donc, on le voit, les collectivités publiques soutiennent de plus en plus l'implication des citoyens. Donc, ça se fait via les politiques publiques qui sont mises en place, mais aussi via notamment des dispositifs. On voit de plus en plus apparaître des bonus qui valorisent la participation citoyenne. Donc, ces bonus, on le voit notamment avec la CRE, pour les appels d'offres des projets, il y a du coup une valorisation qui est faite pour les projets déposés avec une implication citoyenne. On le voit aussi avec des appels à projets régionaux également. Donc ici, un exemple justement de dispositif à destination des citoyens et avec un soutien public, avec donc l'exemple de l'efficacité énergétique et plus particulière la rénovation énergétique. Si on revient sur la consommation des bâtiments, effectivement, si on prend les chiffres de 2017 du ROSE en Ile-de-France, le secteur du bâti, c'est le premier poste de consommation d'énergie en Ile-de-France. Quand on observe, et c'est des éléments qu'on retrouve quand on observe à l'échelle résidentielle les 5 clés du logement, on voit effectivement que le confort thermique et la consommation énergétique sont en tête des préoccupations. En parallèle de cela, on observe également qu'on a un coût de l'énergie qui augmente, donc qui est en hausse, et donc il va falloir que les habitants puissent réagir face à ces constats. Et malheureusement, monter un projet pour un citoyen, c'est pas évident, parce qu'il y a un jeu d'acteurs, que ce soit avec la maîtrise d'œuvre, donc les architectes, les bureaux d'études, la mise en œuvre avec les artisans, les entreprises, la distribution, ça peut être le rapport avec des grossistes pour du matériel, ou les grandes surfaces, tout simplement aller chercher du matériel en grande surface. Faut savoir quoi chercher, comment, et pour quelle utilité.
Au niveau de l'énergie également, il y a pas des fournisseurs, les sociétés de services d'énergie qui sont pas forcément des acteurs qui sont à la portée de tous. Par rapport au financement également, il va y avoir des freins, notamment pour tout ce qui va être emprunt bancaire, et j'en passe. Donc, pour aider à ces projets-là, et on a des programmes publics qui sont mis en place, donc à différentes échelles, que ce soit à l'échelle des villes, à l'échelle de la copropriété, à l'échelle du résidentiel individuel. On a des solutions, notamment des solutions qui proposent des financements pour aider les citoyens. Donc, on le voit ici, j'ai remis des chiffres clés de l'ANA 2020, donc Agence nationale de l'aménagement et de l'habitat. Donc, on a une répartition, donc on retrouve, comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux besoins qui sont identifiés, des finances, donc des projets qui seront orientés plutôt sur du changement de chauffage et de l'isolation. Et ces projets-là, ils sont en hausse de 59% entre 2019 et 2020. Donc, je remets également, si ça vous intéresse, juste en dessous, la répartition entre les espaces urbains, périurbains et ruraux en termes d'action financée et suivie par ces programmes. Donc, Nargis, voilà, Nargis, il reste environ 6-7 minutes. D'accord. Voilà. J'accélère. 8 minutes. Voilà. Oui, faut peut-être. Très bien. Alors, je vais revenir. Donc, justement, au niveau des projets, donc on a également des projets qui peuvent être orientés sur de la production. Donc, ici un exemple, donc un projet participatif. Un projet participatif, ça permet aux citoyens de prendre une part, même si elle est minime, dans un projet. Donc, qui va être porté en général par un développeur privé. Donc ici, je vous donne l'exemple d'un parc éolien Dom Bleu. Dans la Somme, c'est un projet qui est ouvert au financement participatif via une plateforme internet. Donc ici, c'est l'Endosphère. En général, les projets participatifs, c'est soit via des dons, des prêts ou des investissements. Et donc il y a un tour d'investissement qui est possible en général de l'ordre de entre 3 à 5%. Donc effectivement sur ce projet-là, c'est un projet qui vise une installation de 9,6 mégawatts. On le voit sur la cartographie suivante. En bleu, c'était des éoliennes déjà existantes d'un projet précédent. En rouge, donc ce sont les éoliennes qui sont projetées qui concernent ce projet. Donc 4 éoliennes pour un objectif de production de 26,8 gigawattheures. L'intérêt aussi, donc la particularité de ce projet, c'est qu'il s'appuie sur une fondation, donc What for Change, et donc cette fondation propose aux personnes qui ont investi dans ce projet de céder tout ou partie de leurs intérêts à une association locale pour lutter contre la précarité énergétique. Voilà. Donc juste ici, je vous ai mis une image donc du montage. En montage, donc les éoliennes ne sont pas encore déployées, mais on les voit sur Onde Bleue Énergie. Donc ce sont les éoliennes en projet, et éoliennes de Voyenne Énergie, ce sont les éoliennes déjà installées. Qu'on est Nargis, tu nous entends? J'ai l'impression qu'on a des,
Si Souci, vas-y, réinterviens parce qu'on t'entendait de manière très hachée. Ah, on ne t'entend plus. Margis? Ouais, on a perdu le son. Donc, on ne t'entend plus. Bon, ce que je vais faire pour terminer peut-être, c'est que Marc, je te laisse, je vais aller chercher Nargis qui est dans le bureau d'à côté. Pardon, je vais lui proposer de je vais lui proposer de venir terminer la présentation dans ici à mon bureau. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Marc. Je vais juste la chercher, je reviens tout de suite. En attendant la reprise de l'exposé de Nargis, peut-être qu'on peut répondre à des questions sur les autorisations nécessaires pour l'implantation des moyens de production énergétique. Alors peut-être que Marco, vous pouvez nous parler de ces autorisations nécessaires. Quel est le régime d'autorisation nécessaire pour ces implantations énergétiques? Comment, dans un projet d'aménagement urbain, est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Bah, il me semble qu'un anonyme très gentil oui. a répondu en partie à la question déjà. Je vois. Oui. Il y a déjà dans les documents de l'organisme celui-là, on n'a pas vraiment entendu, donc il faut que tu reviennes. D'accord. Il y a énergie. Pardon, j'entendais des voix. Donc, ouais. Dans les documents de l'urbanisme, il y a la possibilité de périmétrer certaines zones pour accueillir ce type d'équipement. Oui. Et puis, comme le dit. Anonyme, oui. Je ne sais pas qui a déjà répondu. Effectivement, il y a toujours étude d'impact sur l'éolien, et c'est d'ailleurs ce qui pose souvent problème à ce stade-là. D'accord, ok. Bon, je propose. Je reprends la parole. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partager. Excusez-nous, hein, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est inhabituel. D'habitude, ça fonctionne bien. Je vais partager mon écran. Voilà, là vous devez le voir normalement, masqué. Et Nargis, je laisse. Merci. Alors, excusez-moi du coup pour ce petit souci. Merci beaucoup, Brigitte, technique. Donc, je reprends. J'en étais effectivement sur le financement de projets citoyens. Donc, je disais que l'atout de ce type de projet, c'est effectivement de pouvoir intégrer le citoyen dans la gouvernance du projet, de lui donner une voix. Ici, donc, je reprenais l'exemple d'Electron Solaire qui a mis en place une centrale photovoltaïque en toiture de l'école Valdec-Rousseau au Lila. Et donc, ça représente 117 panneaux pour à peu près 200 mètres carrés de surface. Donc c'est un projet qui a la particularité d'être en étroite collaboration avec les collectivités publiques du territoire. Donc notamment la ville a permis de passer un bail de 30 ans sur ce projet-là avec Electron Solaire. On a également eu un couplage du projet avec une rénovation énergétique de la toiture. Et donc, on a aussi tous ces aspects pédagogiques qui sont de retour d'expérience et également d'implication donc, des élèves dans ce projet. Très rapidement, donc, comme on a perdu un peu de temps, je vous informe que sur le site de l'AREC, nous avons rédigé une chronique de la transition énergétique sur le boom, entre guillemets, des énergies citoyennes en Ile-de-France. Et nous avons dans cette chronique-là notamment une carte interactive qui reprend les projets citoyens sur le territoire francilien.
Donc, ce sont les projets listés en 2019. Et bien évidemment, il y en a eu davantage en 2020. Et donc, cette carte sera mise à jour. Très rapidement également, donc je reviens sur l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation collective, donc on a vu l'autoconsommation individuelle, il s'agit de produire son énergie et de l'autoconsommer, donc de consommer notre production au possible. Il y a une possibilité de revente également du surplus aux opérateurs du réseau, et il y a l'autoconsommation collective qui, elle, vise du coup à faire une opération plus étendue et à revendre dans un certain rayon géographique sa production via des contrats avec les tiers. Donc, l'exemple que je prends ici de l'autoconsommation, c'est pour montrer effectivement que les politiques publiques, elles ont aussi un impact dans tout ce qui va être réglementaire pour permettre une stabilité à certains modèles. Donc, effectivement, avec l'autoconsommation, on était donc au départ sur un flou juridique, et progressivement, on va avoir des ordonnances, des directives. Donc ici, j'en donne quelques exemples qui vont permettre de définir des termes, de définir des limites et de donner justement un peu plus de structure, de repères aux développeurs de projets. Également, en dessous, je donne quelques chiffres clés associés à l'autoconsommation. Donc, il faut savoir que c'est encore marginal en France, mais que ça tend vraiment à se développer et qu'on n'est plus seulement sur de l'expérimentation, mais on est vraiment sur des modèles d'exploitation qui sont viables et qui ont vraiment un intérêt manifesté par les citoyens. Je vous renvoie vers une production du labo ESS qui fait vraiment un très bon état de l'art et qui soulève énormément de questions par rapport à l'autoconsommation, mais également aux communautés d'énergie qu'il ne faut pas confondre et donc qui permettra d'avoir vraiment beaucoup d'informations sur ces sujets-là. Et donc je conclue très rapidement, donc je reviens sur les trois termes donc de ce webinaire qui sont crise, résilience, basculement. Effectivement, donc on est dans un contexte avec énormément de défis, donc les défis climatiques, mais aussi les défis concernant la solidarité énergétique. Donc, on a des inquiétudes avec la crise économique, avec, donc comme on l'a vu, les besoins à la fois des ménages, mais également l'augmentation des coûts de l'énergie. On a des inquiétudes qui se développent concernant la capacité des ménages à répondre à leurs besoins énergétiques. Et donc, à cela, on a progressivement des solutions qui se mettent en place. Et ces solutions, elles visent surtout donc la résilience, donc comme je l'ai montré précédemment, une stabilité réglementaire, mais également économique et administrative. Donc c'est un soutien des collectivités publiques, des différentes structures, des associations qui vont permettre justement de lever progressivement les barrières et les inquiétudes et de tendre vers des dispositifs qui sont à la portée des citoyens. Et donc basculement, c'est ce que je disais, un foisonnement d'initiatives avec des changements avec à l'origine des changements de comportement, des changements économiques, opérationnels, et en parallèle à ça également, des risques qui émergent, comme le risque de communautarisme. Donc, comme je le disais, avec certains modèles, il faudra toujours être vigilant à ne pas, notamment l'autoconsommation, à ne pas laisser de côté donc les ménages qui n'ont pas les moyens de se lancer dans ce type d'initiative. Il faudra toujours veiller à rester dans un système de solidarité et de soutien aux projets individuels et collectifs. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et j'espère qu'on n'a pas trop dépassé le temps. Merci Brigitte, je te rends ta place. Merci beaucoup
énergie. Donc, on va sortir. On va sortir, voilà. Arrêter le partage d'écran. Voilà, je pense que vous me voyez et vous m'entendez. Ok, on t'entend et on te voit. Parfait, très bien. Bon, eh bien, alors, on va passer à… il nous reste une petite quinzaine de minutes. Donc, je propose que, comme il ne reste plus beaucoup de temps, on passe directement à la partie d'échange général entre l'ensemble des participants. Et donc, on redonne aussi la parole à Alain Beltran et à Margot Pellegrini. Énergie s'installe, ben Énergie s'installe-toi, pas très loin, et voilà. Qu'est-ce qu'on on peut dire que, donc au travers de ce panorama à la fois historique de l'autonomie, de la montée des valeurs d'autonomie dans les projets et de la montée de la participation citoyenne dans les projets énergétiques, on s'aperçoit que les mesures prises résultent d'initiatives d'acteurs qui sont finalement très divers, que les projets eux-mêmes sont divers. Est-ce que vous pouvez identifier des acteurs déterminants, peut-être du côté des collectivités, du côté des promoteurs, et est-ce qu'on peut avoir un petit échange sur les modes de gouvernance qu'il faudrait promouvoir pour favoriser cette coordination, cette transversalité dont on a vu qu'elle était absolument centrale. Alors, je vais peut-être redonner la parole d'abord à Alain Beltran sur ce sujet, et puis si vous avez aussi un ou deux commentaires sur l'ensemble de ce que vous avez entendu, n'hésitez pas. Écoutez, ça sera plutôt des commentaires, mais qui seront un peu des questions. Je me doutais qu'on n'allait pas parler exactement de la même chose. On n'était pas tout à fait sur les mêmes échelles. Moi, il y a une chose qui m'intéresse d'un point de vue à la fois sociologique et autre. Il y a eu une acceptation du discours centralisateur pendant très longtemps. J'ai pris l'exemple de la Durance. J'aurais pu prendre l'exemple de Tignes. On a noyé des villages à un moment. Ça a été accepté au nom de l'intérêt général et au nom du service public. Bon, ce sont des expressions qui n'ont pas été employées, mais ça a été des justifications. L'autonomie, etc., tout ça, ça sonnait mal. On pensait à l'autarcie qu'on avait connue pendant la guerre, où certains pays, que ce soit l'Allemagne ou l'Italie, avaient pensé aussi l'autarcie dans toutes ses formes. Alors, ce changement de discours, je me pose la question, comment se fait-il qu'aujourd'hui, maintenant, finalement, le méchant, c'est le réseau, c'est la grande entreprise publique, alors que pendant longtemps, c'était finalement le moyen d'avoir de l'énergie à des prix plus concurrentiels et autres. Donc ça m'intéresse, oui, d'un point de vue historique, comment il y a ce basculement qui fait qu'aujourd'hui, small is beautiful, alors que pendant longtemps, on a raisonné d'une façon différente. Alors, hypothèse, je pense que l'établissement du nucléaire dans les années 70-80 en France a été un basculement. Non pas sur le plan technique, non pas sur le plan économique, mais sur le plan politique. Et j'ai bien vu dans vos exposés que la dimension politique était très présente. C'est-à-dire, et je m'arrêterai là pour ne pas être trop long, c'est-à-dire que le reproche qui a été fait au gouvernement, mais bon, bien sûr à EDF, mais aussi à Gaz de France quand ils voulaient installer un terminal méthanier du côté de Bordeaux, etc., etc., ça a été de ne pas écouter les citoyens, d'imposer des décisions qui n'avaient pas été prises par le Parlement, etc. Et donc là, une défiance. Une défiance qui est très globale, une défiance aussi envers les experts et envers l'expertise. Ça, il y a un décrochage. C'est ma première réflexion. La deuxième, mais elle a déjà été posée, pour faire ces comparaisons, il y aurait un moyen, ce serait quel est le coût du kilowattheure de cette production autonome
selon les catégories qui ont été faites. Et là, j'ai vu qu'il était difficile d'y répondre. En même temps, il faut bien s'imaginer que les grands opérateurs, c'est comme cela qu'ils ont construit ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, ou même par exemple pour les gaziers qui ne sont pas en situation de monopole. Le gaz, il doit avoir un prix attractif par rapport aux autres énergies. Donc, il résonne en ce qu'on appelle en netback, pas tout à fait comme les autres. Donc, c'est mes deux commentaires, qui ne sont pas des questions, qui sont des commentaires, mais qui peuvent être aussi des questions. J'ai beaucoup apprécié vos exposés. On sent que ça bouge, mais on sent aussi qu'on va vers une certaine complexité. Merci. Effectivement. Margot. Je prends peut-être le relais. Oui. Alors, votre réflexion est tout à fait intéressante. De mon point de vue, ce n'est pas tant le réseau centralisé qui est le méchant, mais plutôt l'énergie qu'il véhicule, avec notamment par rapport au nucléaire, dans la culture, en tout cas dans l'imaginaire, les accidents nucléaires. Et puis, l'idée même de la transition énergétique d'une énergie décarbonée, et donc l'essor du renouvelable qui remet un peu en cause le modèle centralisé. Mais ce n'est pas tant le réseau en soi, mais plutôt le type d'énergie qu'il véhicule et peut-être une certaine gouvernance perçue comme surplombante, alors que d'un côté, on a quand même un mouvement de donner plus de compétences à une échelle locale. Et ben, qu'on les a, ces compétences, on veut en profiter et donc produire des projets énergétiques aussi qui soient complètement maîtrisés à une échelle plus locale. Cela dit, je suis ce que j'ai tenté aussi de montrer très rapidement avec l'idée d'un territoire à taches de léopard, on est quand même face à au risque que vous mentionnez, c'est-à-dire un territoire qui n'est plus desservi de façon uniforme et homogène. Et dont l'accès à l'énergie peut devenir source d'inégalités territoriales. Alors que dans un cas de catastrophe et de crise, il y a quand même quelques lieux qui continuent à fonctionner, ça c'est peut-être sans doute un avantage, mais en même temps, c'est clairement l'un des risques qui pose l'autonomie et cette perte d'égalité vis-à-vis d'un service qui était auparavant garanti et assuré. Et je voudrais quand même conclure sur quelque chose que je n'ai pas eu le temps de mentionner, mais qui me tient beaucoup à cœur, et que l'autonomie énergétique est très liée au développement des énergies renouvelables. Et on associe souvent renouvelable au local. Donc on se dit, une énergie renouvelable, ça veut dire qu'on peut l'utiliser localement, qu'elle circule autour du lieu de production. Et donc, c'est la mort du réseau centralisé, etc. En fait, on assiste depuis quelques années, voire décennies désormais, il y a un nouveau mot d'ordre qui est de plus en plus important, qui est celui de la flexibilité du réseau. Donc, de la capacité du réseau à assurer à tout moment un équilibre entre la demande et la production. Et les énergies renouvelables jouent un rôle très important dans cette flexibilité parce qu'elles peuvent compléter à certains moments. Donc, leur intermittence n'est plus un défaut, mais peut devenir une ressource. Mais ça veut dire que on assiste à l'émergence d'acteurs d'intermédiation comme les agrégateurs énergétiques, par exemple. Et il existe aussi des agrégateurs énergétiques des énergies renouvelables, donc qui fédèrent tout un ensemble d'énergies renouvelables qui sont éparpillées sur un territoire très, très vaste. Ils les fédèrent et ils les gèrent de façon à nouveau centralisée à travers, par exemple, des centrales électriques virtuelles, donc un système qui est complètement numérique. Et donc, une sorte de recentralisation, pas physique, mais au moins dans la gestion de ces flux. Donc, pour moi, on est loin de la mort du réseau centralisé, et qui peut-être deviendra à nouveau central aussi, parce qu'il assure des fonctions de stockage, etc. Merci Margot Pellegrino. Effectivement, la question de la solidarité se pose de manière totalement différente aujourd'hui. Et comme vous le dites, et c'est d'ailleurs bien expliqué dans l'ouvrage dont vous êtes co-auteur, la question des ENR vient, enfin,
réinterroger en quelque sorte de manière assez profonde l'ensemble des dispositifs. Nargis, oui, un petit mot. Juste un petit mot pour dire que je suis totalement d'accord. Effectivement, c'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir un réseau qui est fiable et qui avec une réelle sécurité énergétique. Mais et donc c'est pas vraiment, c'est plutôt la question effectivement du verdissement de ce réseau-là qui se pose et donc l'intérêt des citoyens. Donc le plus important, je pense, au niveau de cette gouvernance de projet, c'est de laisser la parole aux citoyens et d'avoir aussi des moyens de communication qui lui permettent justement de s'exprimer et d'avoir en face un tiers de confiance. Et c'est là, je pense, que les institutions publiques et les associations ont une réelle place, c'est qu'elles permettent justement de jouer ce tiers de confiance là où les développeurs privés vont avoir un peu l'image justement de, pas du méchant, mais de celui qui va placer des intérêts plutôt financiers en avant plutôt que l'importance du projet en tant que projet d'énergie renouvelable, donc projet vertueux de tenter de tendre le plus vers un projet autant aussi vertueux que possible. Il y aura peut-être ces conflits d'intérêts qui peuvent préoccuper les citoyens et où, comme je le disais, associations et services publics ont leur place dans le dialogue pour aider les citoyens à se positionner. Peut-être poser une toute dernière question à tous les trois auxquels, avant de clore ce webinaire, auquel je vous demande de répondre très brièvement, c'est la question qui a été évoquée de l'évolution des métiers, de l'évolution des compétences ou de bons modes organisationnels pour mener à bien ces projets complexes et transversaux. Est-ce que pour vous, Alain Beltran d'abord, il y a des besoins de nouveaux métiers, de nouvelles compétences? Est-ce que vous constatez cette évolution des métiers, des compétences dans les projets énergétiques? On ne vous entend pas. Micro, vous remettez le micro. Ah oui, vous m'entendez là? Oui. Bon, non, très rapidement, je dirais qu'en dehors des compétences, il y a une autre façon de raisonner qui n'est pas ni décentralisée ni centralisée. L'une va s'appuyer sur l'autre. Et c'est là pour ça que je parlais de complexité. Forcément, il va y avoir des techniques de plus en plus poussées, de l'intelligence artificielle et autres. Mais moi, je vois la difficulté en se séparant. Il faut en fait un peu oublier le système ancien, le monde d'avant, et se dire que le monde d'après, il est en cours d'invention et il n'est pas complètement autonome. Et là, je pense qu'il y a une vraie difficulté qui n'est peut-être pas pour moi de compétence, mais voyez, d'imagination, d'espace intellectuel, qui sont à la fois radicalement nouveaux et qui, je pense, vont continuer de changer et de bouger, ne serait-ce que parce que quand la pandémie sera terminée, est-ce qu'il va y avoir un retour à la situation d'avant ou des changements? Je serais incapable de vous le dire. Merci, Margot. Oui, je partage. On est dans une phase de transition dans laquelle on n'est plus clairement dans le modèle précédent, mais on n'est pas encore du tout dans le nouveau modèle, parce que là, on a parlé de plein d'initiatives, mais elles représentent, enfin, je n'ai pas donné les chiffres, mais elles ne représentent pas la majorité des cas qu'on observe. Donc, pour l'instant, c'est une portion minoritaire. Donc, il y a sans doute des démarches qui sont en cours, dans lesquelles on tente de se projeter avec un foisonnement d'initiatives, de métiers, d'opérateurs. Si je devais mentionner, j'ai mentionné quelques réconfigurations de métiers dans ma présentation, si je devais me limiter à en indiquer une seule, je reprendrais celle des acteurs intermédiaires, tels
tels des agrégateurs de l'énergie, ou en tout cas plein de rôles d'intermédiation, que ce soit dans l'agrégation de l'énergie, que ce soit dans ces cabines de régie qu'on imagine pour une maîtrise d'ouvrage énergétique, pour tenter de mettre ensemble toutes les compétences en matière d'énergie qui demeurent encore très fractionnées. Du coup, la décentralisation a contribué à fractionner davantage. Ça, on peut pas le cacher. Et donc, les dispositifs numériques, clairement, d'un côté, permet de gérer dans un temps très court l'énergie, alors qu'avant, c'était plus difficile. Là, l'espace de quelques secondes, voire de quelques minutes, on peut ajuster la flexibilité du réseau à travers les dispositifs et les plateformes numériques. De l'autre côté, clairement, la pénétration du réseau numérique ajoute de la complexité et contribue à rendre moins visible, si on veut, l'énergie, alors que tout l'objectif de la décentralisation était aussi de la rendre plus visible, de l'inscrire mieux dans les territoires, de la voir davantage. Là, avec l'essor du numérique, on la perd à nouveau. Elle est flotte. Les échanges financiers, ils sont encore plus immatériels, par sur de blockchain, etc. Donc, c'est une dématérialisation à nouveau de l'énergie. Merci. Nargis. Oui, donc très rapidement également, effectivement, on voit aussi apparaître, au-delà de métiers, c'est souvent les moyens aussi qui sont, comme les moyens numériques, qui vont être employés pour de nouvelles utilités. Donc ça peut être, comme je l'illustrais avec les plateformes de financement, ça peut être les plateformes qui vont permettre justement d'avoir une meilleure vision des contrats avec des tiers. Enfin, voilà, c'est beaucoup de moyens numériques qui peuvent être déployés dans de nouveaux usages. Et dans les métiers, il y aura sûrement aussi beaucoup, enfin en tout cas en ce moment, de métiers de formation. Donc, transmission de la connaissance, ça peut être, par exemple ici, je citais l'exemple des collectifs citoyens. Les collectifs citoyens, ce sont des associations, des gens ordinaires qui n'ont pas forcément de formation ou qui ne viennent pas de filières énergie ou efficacité énergétique ou autre, et donc qui ont besoin de ces formations, et donc on voit des petites associations locales qui se spécialisent dans la formation, dans le développement d'outils aussi pour simplifier la prise en main de projet, et on a aussi les agences locales de l'énergie qui aident justement à la transmission d'informations aussi à l'échelle locale. Donc d'accompagnement aussi effectivement des acteurs et de sensibilisation. Il est l'heure. Hein, on va conclure on va terminer ce webinaire en vous remerciant d'abord en remerciant très vivement les intervenants, donc Alain Beltran, Margot Pellegrino et Nargis Minouni, et puis vous dire de la part de Marc Desportes, moi et puis toute l'équipe de conception de ce cycle de séminaire on vous retrouve pour une prochaine et dernière séance de ce cycle. Ce sera le 6 avril à la même heure et cette séance portera sur la thématique des déchets et du métabolisme des villes. Et puis vous inviter à venir consulter les ressources. Donc encore une fois, le diaporama, les diaporamas et l'enregistrement vidéo seront disponibles sur le site de l'Institut d'ici environ 48 heures. Voilà, et donc merci beaucoup à tous. Et je vous souhaite, merci, un très bon appétit. Et voilà, une bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci, bonne journée. Wow.